Salut à toi, YouTube, pour les rounds de la MDM. Donc, si vous n'avez pas vu le mapping, c'est disponible sur la chaîne, bien évidemment. Et du coup, le mapping, c'était... le thème du mapping, c'était que les CP doivent être tous sur la même ligne. CP, start et finish sur la même ligne. Et donc on va avoir pas mal de maps linéaires comme celle-là, je pense. Moi, j'ai vraiment essayé de faire un truc spécial, vous allez voir, hein, bien évidemment. En tout cas, si vous avez vu le mapping, bien sûr, vous êtes... Vous savez. Et on démarre sur la première map. On a 3 rounds de warm-up, 3 rounds par map. Et on a 12 maps aujourd'hui. Alors qu'habituellement, on a 11. Et première map. On peut essayer de deviner les mappers. Je peux vite fait vous montrer la liste des mappers. Que vous voyez en haut à droite. Mais je peux pas l'afficher tout le temps, sinon je cache forcément quelque chose. Ok, on a un petit peu du transitionnel. Intéressant. Bon, il s'est pas foulé sur la déco, mais... On a du transitional off-grid. Intéressant. Ouais, alors, bon, il faut suivre, hein, mais... J'ai juste changé la scène Winster pour que les gens puissent voir la liste des maps. Mais j'ai dit... Ouais, bon, voilà. T'as bien fait au cas où j'avais oublié. Non, bah à droite il y a les CP live. Non, mais ça va très bien comme ça. De toute façon, c'est pas le plus intéressant de voter les mappers. La plupart des gens votent pour Angmalion. Je pense pas que c'est Super Nestoy. C'est live! Oh, j'ai complètement oublié. Oh, je discutais, je montrais les trucs. C'est une catastrophe dès le début. Non, my bad. My bad, j'étais ailleurs. Start, CP et finish aligné. Voilà, aligné horizontalement. C'est pas écrit dans la commande, mais start et finish doivent être aussi dedans. Secondes, les gens abusent. Heureusement que toi, t'as fait une map longue comme d'hab. Oh, mais je suis à chier. What the... En même temps, le setup du start, là... Je vais pas être méchant avec le mapper. Mais je pense des maps comme ça, toutes droites, on va en voir plusieurs. Pour moi, c'est moins. Alors pas parce que j'ai pas fait de bons rounds, hein, mais parce que... C'est très linéaire. Y a pas de déco. Full of grid, donc c'est de la triche. T'as le droit de tricher un peu, forcément, t'as besoin de tricher un peu pour ce genre de contraintes, mais là, c'est que de la triche. Et ouais, le start... Bon. Si je pouvais le passer une fois, au moins... J'ai clippé. J'ai voulu faire les choses bien, et puis j'ai clippé. Les blocs volent. Alors, c'est pas le souci que les blocs volent, mais...
Alors. Chouette. Non, fait chaud, donc la map fait chaud. Ensuite, on a chouette, symétrie, El Pepito, Mar, MDMS 3h08, Obscur, j'ai fini, MDM, Tucoco, ma pire map, Smartline, Left for the win, deux boules. Et la dernière, j'ai jamais vu mieux. Et ben, on terminera avec j'ai jamais vu mieux. Ah, déjà, là, on a une idée. On a quelque chose là. On a quelque chose d'intéressant. Alors gauche au début, on a le panneau. Et on spoil pas ma map. Hein. Ceux qui n'ont pas vu le mapping, chez. Au pire VO de Twitch. Le plus sympa, c'est de pas de laisser le suspense à ceux qui n'ont pas vu le mapping. C'est comme ça sur toutes les maps Not Today, c'est parce que le serveur de la MDM est sur le club de Bren. Bon, on va remonter au point. On va se focus sur cette map. On se focus sur les lines à prendre. Mais ouais, très très jolie map. Les lines sont bien calculées. Pour moi, c'est du Bren. Très joli. Et bien penser le finish bobsleigh pour ce genre de bloc, parce que tous les autres finishes en fait couperaient le bloc. Non, Link aurait fait un peu plus de transition, je pense. Ouais, je sais pas, c'est dur à dire. Link aurait pas fait full tech aussi. Un peu lent sur la fin. Après dit à 0% sur Wii. Juste parce que j'ai failli de la première map. Ah mais ils mettent 20 minutes de vote aussi les potes. Il y a le logo de Bren sous le finish. Ah bah c'est forcément sa map alors vu qu'il y a le logo. Bien vu ça. Oh. J'ai green. Bon, on n'a pas tant de points que ça de retard. Ouais, on va passer... 5e, je crois. Ah, peut-être juste pas 5e égalité avec Tyranny, quasiment. Ah non, pas égalité, hein, je suis en perte. Ah bah, 6e.
Oh, 13 millième. Putain, c'est GR, hein. Bon, Ling prend les points parce que... elle... L'avantage de l'alphabet. GG Link. T'as été meilleur. Il a peut-être même pas remarqué, il va rien comprendre. Ok, next map. Alors, symétrie. Et effectivement, on a de la symétrie. Étant donné qu'il y a des lamas, j'aurais dit The Mercs assez rapidement. Ah non, Nestoy plutôt, Nestoy. Je pense Nestoy. En tout cas, bah, les panneaux sont pas symétriques. Vraiment là? Ok, c'est un concept. On va s'adapter. Ouf. Attendez, je vais juste recheck. Je pense pas qu'on... Ah putain. J'ai mal joué. Ensuite, hop. Je vais tester au deuxième warm-up. Ok. Et du coup, au début, les gens font quoi? Moi je pense que ça c'est la façon. Ah je devrais pas la train autant. En même temps si t'as ça, t'es premier. Comme ça c'est déjà un peu mieux. A voir si avec la speed c'est tenable. Et le last drift, ok. Juste le début qui me perturbe un petit peu. Merci Disturbs pour le prime, merci beaucoup. Chercher bien large, bien de la spin. Comme ça, le jump pass. J'aime pas du tout le fait d'avoir été de ce côté. J'aime pas du tout le fait de devoir rester sur un côté que je connais pas. En tout cas, pour 30 minutes, pour moi, c'est du plus-plus. À part le début qui me dérange un peu, mais autrement, le reste, la déco et tout, c'est vraiment, vraiment agréable. Et il y a du vrai challenge. Juste rien compris au start. 1.5 dans la vue au premier CP. Peut-être faut freiner et drop instantanément, je vais essayer un truc. Ouf.
pense qu'il faut pas aller chercher. Mais en fait, j'ai 1.9. Mais le truc, c'est que t'as plus de vitesse que les mecs qui vont direct dans le CP. Tu vois. Oh merde, vous voyez. Ça snipe pas, ouais, 0.6. Hein. Ok. Je pense que le début, drop sur la road, c'est pas mal. C'est juste que j'ai no speed après. Mais là, j'ai raté mon start. Vas-y, je vais drop sur la road. En espérant que j'ai assez. Il y a un drift pas loin après, donc ça peut être rentable. Bonsoir à tout le monde. Allez, on tente. Il y a next que d'aventure en C, presque, oh, deux putain. Ans de présence ici. Regardons tout le chemin parcouru. Je suis fier de toi, clin d'œil. Merci beaucoup. J'arrive. Voilà. Merci beaucoup Maxence pour le 24e mois, les 2 ans. Merci beaucoup. Ah, le chemin parcouru est incroyable. Bon, dommage, j'ai compris la map un peu tard. Mais oui, j'ai plus que 300 points de retard. Hein. Les gens qui doutaient, juste parce que j'ai raté ma première map, faut prendre en compte qu'il y en a 12. Hein. Bon, du coup, on a re une map linéaire. Au niveau de la déco... C'est dur à dire qui c'est, ça. La map d'avant, j'aurais dit Nestoy. Parce que pour moi, The Mercs serait parti sur du plastique. Cette map-là... Ah, c'était The Mercs, la map d'avant. My bad. La map d'avant, c'était The Mercs. Alors que pour moi, il fait des concepts... Alors, il fait des concepts chelous, The Mercs, mais... Link, la déco, ouais, t'as pas tort. T'as vraiment pas tort. Faut avoir si les trashs sont bien calculés, ce sera du Link. Coucou, visage souriant. Ça ressemble énormément à du. Et merci Relix pour le 13e mois. Ça m'aurait fait plaisir de m'appeler ça. Du coup, la toute première map, c'était qui? Quelqu'un a vu ça? Histoire que je l'enlève de ma liste en tête. Ah, c'était Nida, ok. Par contre, le start... Ah, c'est ce que j'ai fait, hein. C'est la bonne strat. Bon, au vu du warm-up, etc., c'est du Link. Il vote sa map, donc c'est du Link. Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est plus-plus, hein, c'est... Il y a de tout. Pas d'herbe, mais...
C'est juste ce premier turn. Le logo dit que c'est Bren. Ah merde. Mais Bren, il a déjà eu sa map. Il très gauche-droite la map. Bah en fait, c'est assez dur de faire mieux. Si tu fais une map linéaire avec les CP, ça dépend comment tu commences à mapper avec la contrainte de les CP doivent être tout droit, tu vois. Ah mais Link mappait, c'est une bonne question. Je crois pas. Oui, il mappait, on l'a attendu à la fin. Oh, sad. Ok, ça va quand même devant, mais... Full fail en turn. Fait Wind E. Ça fait un glitch trop stylé, la voiture elle change de couleur. Ok. Est-ce que je le banne ou pas? Allez, ça part. Va faire chier un autre streamer, s'il te plaît. Hey you Arnie. Là j'ai pris un peu d'herbe. Bon, troisième. Hein? Fais Alt F4, t'as un boost sur ta voiture. C'est vrai? Non, j'ai aucun moyen de faire un black screen là. Fais chier. Il me faudrait un truc black screen. Attends, Alt F4 t'as dit? Mais non! Le jeu a repop. Bah je pense que j'ai eu le boost de vitesse, mais... j'étais pas en train de jouer quoi, c'est dommage. Oh, wow. C'est un concept. C'est un fucking concept. C'est qui ça? Nestoy? T'aurais fait ça, Nestoy? BL. Ah, bon, c'est warm-up encore. Je vais train la fin. Merci beaucoup, Jerem, pour les 1000 bits. C'est très très gentil.
Ok. Un peu courte, effectivement. Deuxième coup de frein inutile. Ouais. Entre les flèches vertes, je pense. Pas. Ah, passer là, genre. Je vais pas tenter. Là, il y a un gap, hein, mais... Je vais pas tenter. J'ai train d'une manière. Je vais aller trop vite. Oh non. Oh non, et puis on roule. J'ai envie de pleurer. Bren a choke aussi. Ah, on va se faire doubler par, par Warren. Oh, j'aurais pu m'envoler. Ok, ça va encore. Voilà, safe. C'est bien. Bien sûr, Bren ne choque pas à ce round-là. Tu fais bien la MGP à 22h? Non, j'ai décidé que la MGP, on ferait une semaine sur deux. Du coup, on peut changer la commande. J'ai fait pendant très longtemps, une semaine, toutes les semaines, et ça commence... C'est pas une perte de temps, mais... Là, en période kaki... kaki après MDM... Bah, je te renvoie vers la programmation, disponible sur Discord tous les jours, qui te donne l'info. Mais on se fait chier quoi. On se fait pas chier, mais il faut pas en abuser, tu vois. Je pense que j'en ai abusé pendant longtemps. J'ai trop fait toutes les semaines. Après, ouais, si c'est pas écrit dans le titre, y a pas vraiment besoin de demander si on fait ou pas. Mais oui. Tiens, tiens, je reviens et je vois que j'ai gagné la prédiction des plus de 30 minutes, comme c'est surprenant. Quel bâtard. En fait, ils se sont trompés quand ils ont rendu les points, tu vois. Mais tranquille. En tout cas, joli déco, c'est... De l'eau au sol, plus des gros murs noirs. C'est une déco très simple, genre ça se fait en 10 secondes, mais j'aime vraiment bien. Mais de manière générale, quand on voit pas le stade, j'aime bien. Phobie du stade. Non, ça ressemble pas à du Link.
Apparemment, 15 personnes ont voté le Roi Lion. Peut-être son style, du coup. Stadophobe. On grappille sur Bren. Yo, ça fait longtemps. Toujours autant la forme. Et yo, Azare, quoi la forme? Merci pour l'huitième mois. Partir sur une petite soirée kaki après. Comme d'hab. Le nom est pas caché. Ah ouais, d'accord. Effectivement. Peut-être qu'il a, il a galéré à l'envoyer et que du coup il a... Il l'a donné pas par le site. Parce que quand on envoie sur le site, en fait, ça passe. Ça passe par un truc et ça enlève automatiquement le nom de l'auteur. En la revalidant, etc. avec un compte qui affiche pas le pseudo. Oh! Ça, c'est con, ça. Erreur bête. Mais je peux encore faire 12e, je pense. Pas loin. Ah, bug dans le script, je crois, ça arrive des fois, mais on sait pas pourquoi. Ok, ok. Moi, je pensais que ce que Beu faisait, donc l'organisateur de la MDM avec Bren, c'est que sur le site, ça valide automatiquement la map par son pseudo. Ok ? Imaginons. Son code... Son Trackmania ID. Et sur le serveur, il y a un paramètre qui permet de repérer quand c'est une map de Beu et de ne pas afficher le pseudo du mappeur quand c'est validé par lui. Je partais du principe qu'ils avaient fait ça. Oh, je me suis envolé, les gars. Oh, par contre, j'ai jumpé loin. Mais j'ai eu la gear après le boost. Ça, c'est important. Je suis mort, mon père a jeté l'alliance de ma mère à la poubelle sans faire exprès. Merde. Moi, il y avait eu plusieurs fois. C'était quand j'étais gosse. Mon père... Enfin, plusieurs fois, je me souviens plus, mais... Ça arrivait des fois qu'il perde l'alliance dans l'évier. Parce que, je sais pas, en se nettoyant les mains, tout d'un coup, elle glisse et puis ça tombe directement dans... Voilà, t'as compris, quoi. Alors, next map. Next map. Donc, on a un seul CP. Start, CP, finish. Il sait pas... Ah, il y a peut-être... Ah, peut-être je suis mauvaise langue et qu'il y a un CP là-dedans. Effectivement. Ok, j'aime bien le petit triangle. J'aime bien la transi. Bah attendez, monsieur. C'est du Y. C'est qui Y? Il traite mes CP de trave. Qui n'est pas une insulte, hein, bien évidemment, mais... Enfin, il dit ça. C'est peut-être pas... Bon, ouais. Enfin, dans le sens où...
Ils pensent que mes CP... Ouais. Parce qu'il a dit du CP de Trav comme ça. Ouais. Bon bref. Mais c'est vrai que j'aime bien les triangles. Oh. J'ai clippé, du coup j'ai eu la pénalité. La strat Wally t'as pas l'air... Vous êtes à combien de maps? On est à 7 sur 12. C'est vrai qu'on le voit pas, mais 7 sur 12. Je pourrais me mettre un petit peu plus bas. Est-ce que j'ai le temps de faire ça? Voilà, nickel. Ah mais on voit plus les points de Warren. A plus les gars. Ah, il faut que j'arrête avec ce wallet. En fait, si limite il avait mis un CP là. Après, c'est peut-être la hardware, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. C'est peut-être voulu. Ça a eu pic aplati. Ah ouais, on les voit à gauche. Ouais, mais... Fin. Mais je suis explosé au sol, c'est incroyable, c'est pas faire un demi-tour comme ça. Oh. 400 points. Bon. C'est pas grave. Je pense que j'aurais du stick avec mon truc. Non, ma map est pas encore passée. Je sais pas quand elle va passer. Quelle idée. On verra bien. Oh, c'est joli ça. Ça, c'est les blocs de Lexio. Pour ceux qui ont vu le map review. C'est sympa. Ok. Previous maps, c'était Nestoy la map d'avant. J'ai bien aimé. Ouf. C'est pas les blocs que tu voulais absolument avoir. Alors je les ai. Je les ai les blocs. Ok, ça passe. Dommage, la fin mal travaillée. J'aime bien le hard film. On va essayer d'aller vite. C'est ma passion d'aller vite en fait. C'est une vraie passion.
Attends, c'est quoi? Pas responsable avant cascade. Ah, si t'as pas la speed là. Ah, mais apparemment, il y a un truc à gauche. Oh, je suis une merde. Non, ça passe jamais. Ok, bah j'aime bien la map. Je crois que j'ai vu une respawn way, faudrait le dire dans le chat. Mes FPS sont descendus à 30. Ah, à cause de la cascade. J'ai pas plus de problèmes d'FPS que ça. Ouais, c'était vachement à gauche, je me suis fait sniper Gwen. T'as vu les mecs qui ont parlé d'un bump au start? Ouais, parce qu'ils vont pas assez vite dans l'eau. En fait, ils emmagasinent trop de vitesse. Gwen, Aurel, y a du beau monde. Alors, je pense qu'ils viennent de join. J'ai pas vu Aurel, moi. T'es beau. J'ai rien à ajouter. Visage souriant. Merci, Jérôme. J'ai quitté mes yeux de l'écran. Merci beaucoup Jérém pour les 2000 bits. C'est très gentil. J'ai vu un RLTM dans le chat, après je me suis fait peut-être troll. Ouais non, c'est juste, hein, je pense. Bah il a dû join il y a quelques maps comme il a dit. Ouais, Aurel il est là. En fait, j'aurais dû mettre le respawn en road. Ok, next map. Alors, MDR, tu coco, ma pire map. On a un turbo rouge. J'ai un peu peur d'un cut au début. Ouf, touch. Il s'est pas fait chier. Ah mais c'est cut long. Il a forcément mis le cut. Ok.
Ah, je sais pas où je... Ok. Bah GR parce que Reizaro ça fait 50.4. Il a fait 0.49 et j'ai fait 0.46. Oh non, bah je suis quand même premier. Ah les gars, finissez quand même. C'est gênant là. Il y a 5 finishes. Bien vu de Crash pour pas qu'il voit qu'il y a un cut. Propre. Les lines. Yeah plus, plus. Et bonsoir. Unfair le cut. Mais quel cut? Y'a Gwen qui talonne. Ah, il a plus de spin. Ah, il a raté sa fin. Ouais, je suis pas le seul à avoir compris la map, mais... Le problème c'est que Warrell il fait des points quand même. Bren se questionne encore sur le cut. Je perds 1000 ans, mais... Ouf, je perds 1000 ans. Ouais, j'ai pas... J'ai pas la bonne trame. Moi, je dis... Ah, je sais pas. Bon, dans le top 10 dans tous les cas. Ah, quoique, j'ai pas beaucoup de spin. Quinzième. Sur un run où j'ai fait... où j'ai raté 1000 fois le cut, ça va.
Après, c'était du IQ, hein. J'ai... Écoutez, j'ai vu instantanément... J'ai quand même 2 secondes, j'ai vu le code. Ah bah là, on a du gauche-droite, là. Quelqu'un disait sur la map de Link, je crois. C'est vachement gauche-droite. Et bah là... C'était Moutreau la map d'avant. C'est pour ça qu'il m'a dit je comprends Cycle et Lime. Intéressant. Là, il y a déjà moins de 4. Non mais Link a déjà, il a déjà eu sa map, non? Je sais pas. Mais ouais, Link, ça peut très fortement être Link. J'arrive pas à finir. C'est bon. Y'a que le jump magnet que j'aime moyen. Bon, y'a pas de magnet, mais je pense que c'est la vanne. Je suis explosé. Ouais, la guerre. Ça a pas fait du bien. Mais je pense que je vais aller plus externe. En fait, on arrive avec trop de vitesse. Puis la reprise du gris. En fait, c'est dur d'anticiper la perte de vitesse ici. Et de se dire, ok, je vais ni crash ici, ni crash ici. Je vais essayer d'aller un peu plus à droite pour ouvrir mon angle. Mais là, là, je réalise à chaque fois. Hein.
Voilà, très bien comme ça. Merci Blue Hope. Donc c'était moi. C'est sad. C'est très très sad de faire ce genre d'erreur. Je l'ai fait au warm-up en plus. J'aime pas ce passage de merde, le trou il est pile dans la trave. En fait c'est triste. Il est vraiment pile dans la trave. En fait si tu vas trop exter, tu prends le... Ouais, enfin bref. S'il a mis ça un bloc plus loin à la limite. Un triangle aurait mis bien. Aurait été bien. Ouais. Ouf. Puis ça a pas l'air de se cut. J'ai rien dit. Ok. Faut pas que je finisse. Et Athéane l'a vu. On a pas dû finir aussi vite. C'était qui avant? C'était Link. Je n'être pas lancé l'éditeur depuis longtemps. NP. Il a désolé les gars. Bon, allez, bats les couilles. Fallait pas faire ça. Je sais, c'est pas bien. Ah, je sais pas, il faut pas qu'il se doute. Le boost rouge caché.
fuck ma recette. Je suis nul. Pardon. J'ai pas eu une bonne recette. En fait, j'ai peur des pierres. C'est mes principales peurs dans la vie, c'est... J'ai peur des pierres et j'ai peur du mauvais ending. C'était greedy. Mais bon, Warrel il fait 4. Je pense même que les autres ils prennent le wall ride. Peut-être pas. Mais je pense qu'il jump ici. Et là j'étais le seul à jump là. Pardon. Mauvais ending au pub. Bah la rocophobie. La rocophobie qui frappe. Oh, et les clipophobies. La clipophobie. Aïe, 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 toutes les peurs d'un coup, là. Je sais pas si vous le saviez, mais les subs sont moins chers ainsi. Et merci, Sorian, pour le 20e mois. Effectivement, les subs sont passés à 4 euros. Pour ceux sur YouTube qui m'entendraient et qui étaient en mode 5 euros, c'est beaucoup trop, les gars. Là, vous pouvez me soutenir pour 4 euros. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez Prime, c'est gratuit. Bah. La contrainte. T'es beau. Ça va vous sinon? J'ai rien au con. J'ai rien compris au thème, merci de mettre plus plus. Bah non. Mais comment tu peux pas comprendre le thème? Ah, il s'est dit dans le même sens. Genre tous les CP qui face vers la gauche. Enfin vers... Turlu. Fallait dire merci de mettre moins moins. S'il voulait choper des plus plus. Et merci beaucoup Lucky. Pour le sub offert à Jean Bat. Merci énormément. Non, je vais rien dire. Et merci Crazy Golfer pour le 3e mois. Et le Prime lâché, merci beaucoup. Bah, à part ça, la map est ok à jouer, hein. Mais la transi, là, c'était joueur warm-up. Hein. Je l'aurai plus jamais, la transi.
Mais on peut snipe Warren là-dessus. Si je l'ai 3 fois. J'ai paniqué. Ça sert à rien de respawn, non, j'ai envie de dire. Il a live, mais de quoi tu dis? Ah, Tirly a live. Oh, envie de me tabasser. Là, c'est mort. Il n'y a plus assez de rounds, je pense. Mais je rattrape 500 points, il faudrait qu'il fasse plus de 100 de rounds et que je fasse 750. Pourquoi TTS est cassé? J'ai touché là? Bon, dans tous les cas, la transi est trop compliquée à choper. Nice flex. Ah, si je peux pas me faire... Ouais, je finirai deuxième. C'est fini. Mais c'était close fight. En GR sur le dernier round. Bah GG. Bon, rappelez que ce n'est pas une compétition, c'est un événement, mais très cool, très très cool. C'était intéressant de voir toutes les maps avec les CP. Bon, il y en a qui ont pas compris la consigne, mais très sympa. Et moi je suis content, je trouve. Je sais pas si on a. On a le map Karma. On a eu du 90, moi j'ai eu 84. On a Smartline qui a eu 86. Qui était vraiment pas mal. Et El Pepito, je sais pas. Je sais pas laquelle c'est. Quelqu'un se souvient de El Pepito? Non mais il me demande si je veux jouer les maps. Ah bah les finishes. Ils sont sur la même ligne là. Ça marche le kappa ici? Ok, my bad. Habitué du kaki. Je vous dis peut-être ils ont ajouté, mais non. Allez, bon du coup, YouTube c'est la fin de la mercredi des mappeurs, pardon. Raconte pas ta vie. Allez, je me casse, il m'a saoulé à terre. Bah c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé et on se revoit bien évidemment pour d'autres VOD. À très bientôt, YouTube.